Salut Camille, qu'est-ce que tu fais? Je fais comme dans mon roman. Quel roman? J'avais 203. C'est le premier tome d'une série? Non, il y en a deux autres avant. C'est lequel? À deux c'est mieux, puis à deux c'est toujours mieux. Il y a 292 pages. Tu l'as lu vite? Ouais, puis en plus c'est sorti il y a pas longtemps, c'est le 27 février 2019. Wow, tu me racontes le résumé? Oui. Gali aime enfin sa vie, mais voilà que Mofiane et Josie s'éloignent d'elle. Pas de chance, hein? Oui, pas de chance, tu mangeras pas mes biscuits. Et Mégane enchaîne les coups contre elle. Elle devra donc combattre Mégane et se rapprocher de ses amis en même temps. Y arrivera-t-elle? Non, tu y arriveras pas à toucher mon biscuit. L'auteur, c'est Michel elle-même. Oui, c'est Lémel l'auteur. Elle aime les animaux comme Gali. Et Jamais 203, c'est son troisième roman. Jamais 203, c'est la meilleure pour les jumeaux. Qui est l'illustrateur? C'est Nick Dillero. Il a fait Mon beau-père est un agent secret et Thomas Prince professionnel. Tu m'écoutais-tu? Ouais, mais tu savais qu'il a aussi fait C'est la fin du monde, Les éternels. Toute la série, il y a 5 tomes. Ah ouais? Ouais, c'est cool, hein? C'est quoi ce livre? Mais ça, c'est les éditions de Mortagne. Elle fait des livres pour plaire à tous les goûts. Comme des biographies, des romans fantastiques, des trailers, puis des romans historiques. Ah, t'es d'enfance, si j'ai bien compris. Chaque maison d'édition a un signe? Ouais. Mais là, comment tu l'as entendu, par exemple? Je suis pas sûre. Non, mais regarde, les personnages sont vraiment attachants, puis il y a beaucoup d'intrigues et de suspense à la fin. T'es sûre? Oui. Puis en plus, je recommande aux personnes qui aiment les histoires d'animaux émouvantes, puis toi, ça te correspond beaucoup. Ah oui, tu donnes quelle médaille, la médaille de bronze? Non, ben voyons donc, la médaille d'or. Je souhaite que tu me passes ton biscuit. Ok, prends-le. Ouais.